Voici les 7 choses, les 7 points qui font que ton français est vraiment un niveau au-dessus, un niveau avancé, que ton français est en fait assez impressionnant. En tant que professeur, moi je repère très vite le niveau des élèves quand ils s'expriment et il y a ces petites choses qui font que je me dis, ah, cet élève a un niveau assez bon en français ou un niveau très bon. Donc on va voir ce qui fait la différence entre un français intermédiaire et un français avancé. Je vais te donner des petites astuces, des points de grammaire à maîtriser que tu dois intégrer, que tu dois apprendre pour avoir un français au niveau supérieur. C'est la rentrée, c'est le mois de septembre et je suis absolument ravie de vous retrouver. C'est parti pour une nouvelle année ensemble de vidéos pour améliorer son français et aujourd'hui on commence vraiment fort. Je te recommande de cocher dans ta tête pour voir si tu maîtrises bien ces 7 points. Et si tu ne le maîtrises pas, tu sais très bien ce qu'il te reste à faire, travailler ces points-là. Tu me diras en commentaire combien de points sur 7 tu maîtrises. Le premier point qui fait une vraie différence dans ton niveau de français, c'est quand tu maîtrises les pronoms en et i, y. Quand j'entends qu'un élève utilise les pronoms en et i spontanément, sans erreur, tout de suite, ça rend son français beaucoup plus travaillé et avancé. J'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet, mais je t'explique rapidement. Reste là, comme ça tu peux réviser. Est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai des enfants. Ça, c'est la réponse basique, niveau débutant. Oui, j'en ai deux. On va remplacer des enfants par le pronom en pour éviter la répétition. Donc en remplace un complément d'objet direct introduit par de et dans ce cas-là des. Pour y, c'est la même chose. Il remplace un complément d'objet direct introduit par a. Tu vas souvent à Paris? Oui, je vais souvent à Paris. C'est dommage, on a la répétition de à Paris. Donc pour éviter ça, on va remplacer à Paris par Y. Oui, j'y vais souvent. J'y vais souvent. Deuxième point, ton niveau de français m'impressionne si tu utilises correctement le pronom don. Pas donc, don. Est-ce que tu utilises toi le pronom don dans tes phrases? C'est un pronom relatif. Il appartient à la même famille que qui, que et don. Dont il va remplacer un groupe nominal qui est introduit par de. Un exemple sera plus clair. Voici le livre dont je t'ai parlé. Je t'ai parlé de ce livre. Parler de. La ville dont je suis originaire est surnommée la ville rose. Être originaire de. Si tu ne comprends pas bien ce point, encore une fois, j'ai fait une vidéo, tu as juste à cliquer sur le lien que je veux mettre ici où je te mets toutes les vidéos dans la barre d'information. Comme ça, tu cliques sur la vidéo que tu as besoin d'approfondir. Ton niveau de français m'impressionne si tu fais des phrases au subjonctif. Qu'est-ce qui fait plus plaisir à un professeur que d'entendre une belle phrase au subjonctif? Rien! Oh, ça me comble de bonheur quand j'entends une belle phrase au subjonctif. Bah oui. Donc maintenant, tu sais comment faire plaisir à tes profs. J'ai réalisé 2 leçons sur ma chaîne YouTube, encore une fois à regarder. Mais il faut pas avoir peur du subjonctif. Retiens bien ces points. Le subjonctif n'est pas un temps, c'est un mode comme l'indicatif, le conditionnel ou l'impératif. Il sert à exprimer un sentiment ou une nécessité. Et il y a toujours que dedans. J'ai envie que tu partes. J'ai envie, c'est mon sentiment, que. J'ai peur que tu sois en retard. J'ai peur que tu sois en retard. Soit, c'est le verbe être au subjonctif. Une nécessité, il faut que tu sois à l'heure. Il faut que tu sois à l'heure au rendez-vous. Toutes les fois où tu vois il faut que, c'est suivi du subjonctif. Ça fait toute la différence de bien maîtriser ce mode subjonctif, donc
travaille-le. C'est mon conseil. Je sais que ce n'est pas facile d'intégrer toutes ces informations et d'intégrer toutes ces règles pour les utiliser dans ton expression. Moi aussi, j'ai quelques difficultés avec l'anglais. Je ne vais pas mentir, c'est pas facile, je vous comprends. Apprendre une langue, c'est un processus, c'est un voyage et il faut apprécier le voyage, même si parfois notre motivation fluctue. Pour rester motivée, justement, j'ai choisi d'apprendre l'anglais avec Lingoda, qui est une école de langue en ligne, dirigée par des professeurs qualifiés, qui vont te donner des conseils personnalisés, des corrections pour t'améliorer et atteindre l'objectif linguistique qui est le tien. Ce qui, moi, me plaît vraiment avec Lingoda, c'est que je peux adapter les cours à mon rythme et à mes objectifs. Là, par exemple, on était en train de réviser un point de grammaire qui me posait des difficultés. C'est beaucoup plus facile après le cours parce qu'on a créé des automatismes, on a travaillé le point, on l'a pratiqué dans différents contextes. En plus, les classes sont toujours en petits groupes, idéal pour beaucoup pratiquer et les professeurs sont vraiment qualifié et très gentil, ça c'est important aussi pour moi qui parfois n'ai pas confiance en moi. Les professeurs sont très bienveillants. Je vous recommande vraiment d'essayer Lingoda. Je vous offre 20€ avec le code promotionnel qui s'affiche juste ici. Tu peux avoir jusqu'à 20 cours privés gratuits en t'inscrivant à Lingoda Flex. Ton niveau de français m'impressionne ou sera impressionnant si tu maîtrises la concordance des temps. Donc tu es capable de choisir l'imparfait, le passé composé, le passé simple, le plus que parfait, selon le contexte et parfois dans la même phrase. On va lire rapidement ce petit texte ensemble. Je vous le lis. Un soir de tempête, Emma lisait tranquillement un roman dans sa chambre. L'atmosphère était lourde. Elle avait choisi ce roman policier particulièrement effrayant dans une petite librairie. Le vent hurlait dehors. Et chaque bruit semblait amplifié dans le silence oppressant de la maison. Soudain, un craquement sourd retentit, provenant apparemment du grenier. Emma sentit son cœur s'accélérer, mais elle décida tout de même de monter pour vérifier. Ce qu'elle découvrit alors la figea sur place. Figer, c'est quand tu ne peux plus bouger. Dans ce petit texte, il y a de l'imparfait. Lisez, était. Ça, c'est pour décrire donc le contexte, le décor de l'action, le contexte. Ensuite, on a le plus que parfait. Elle avait choisi. C'est une action antérieure à l'action principale dans le passé. J'aime bien dire que c'est le passé dans le passé. Avant de lire le livre, elle l'a acheté. Donc là, on utilise le plus que parfait pour parler du passé dans le passé. L'action avant l'action. Et on a du passé simple. Le passé simple, c'est le passé littéraire. Celui qu'on utilise dans la littérature, mais qu'on n'utilise jamais à l'oral. Retentit. Elle sentit. Elle décida. Elle découvrit. Ça, c'est le passé simple, qui est l'équivalent en très formel du passé composé, on l'utilise pour décrire des actions brèves et soudaines. Donc, si tu arrives à maîtriser assez bien le français pour jongler entre ces différents temps et choisir le temps qui convient en fonction de la situation, alors là, je serais absolument impressionnée, mais ça demande du temps. Ton français m'impressionne si tu fais les liaisons correctement à l'oral. Pourquoi j'ai l'impression que les liaisons, c'est toujours un sujet sensible? Ben oui, c'est un peu compliqué ces histoires de liaisons obligatoires, optionnelles ou interdites. Un petit rappel rapide, on ne dit pas des amis, on dit des amis. On ne dit pas les arbres, on dit les arbres. Quelques enfants, quelques enfants. Et celui-là alors? Des hommes. Et oui, même avec le H, on fait la liaison parce que ici, c'est un H muet. C'est un H qui n'a aucune conséquence sur la liaison. Avec les H aspirés, on ne fait pas la liaison.
Il faut vraiment que je vous fasse une leçon sur ces histoires de H aspiré, H muet, parce que je reçois beaucoup de questions. Nous avons de la chance. Nous avons. Chez elle. Ton français m'impressionne si tu connais quelques expressions idiomatiques, des expressions typiquement françaises. Alors, petit test pour voir si tu les connais. Avoir la pêche. Qu'est-ce que ça veut dire? Être en forme. Se sentir plein d'énergie. J'ai la pêche. Être comme un poisson dans l'eau. Celle-là est facile. On devine bien que être comme un poisson dans l'eau veut dire être très à l'aise dans une situation. Tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes. Bien sûr, ça veut dire s'évanouir. Faire un malaise. Je pense aussi à il pleut des cordes, il fait un froid de canard, avoir la gueule de bois quand tu as bu trop d'alcool et que tu te sens mal, la gueule de bois, avoir un coup de foudre, celle-là qui est très belle quand on tombe amoureux de façon soudaine. Voilà quelques expressions que j'entends souvent. L'autre jour, j'étais à la bibliothèque et j'ai vu un livre comme ça, rempli d'expressions idiomatiques françaises. Donc, il y en a beaucoup, évidemment. Moi, je ne les connais pas toutes, je ne les utilise pas toutes, mais voilà, il y a quelques classiques. Ton français m'impressionne si tu fais la différence entre les trois registres de langue. Le registre formel, le registre standard et le registre informel. Je pense que je n'ai pas besoin de réexpliquer ce que c'est. Mais on va faire quand même un petit test. Je suis fatiguée, je suis épuisée et je suis crevée. Je suis fatiguée, je suis épuisée, je suis crevée. Peux-tu me dire à quel registre appartiennent ces trois petites phrases? Standard, formel, informel. Je suis sûre que tu l'avais. J'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet et j'en parle aussi beaucoup dans mon livre. Celui-là, le français naturellement. Voilà ces petits indices qui, moi, me montrent que tu maîtrises bien la langue, que tu as un niveau assez avancé. Dis-moi sur 7 combien tu en maîtrises et quels sont les points qu'il te reste à approfondir, à maîtriser. Ça m'intéresse de savoir et peut-être que j'en ferai une vidéo. Qui sait? Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas 1 de t'abonner à la chaîne, 2 de mettre un j'aime et 3 de me laisser un commentaire pour me dire que tu l'as apprécié. On se retrouve très vite pour d'autres conseils, d'autres astuces. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. Salut!